Comme nous l'avons vu dans le premier et le deuxième film, le Coran, la parole de Dieu, a rapporté un grand nombre de développements scientifiques il y a des siècles de ça. Pourtant, les miracles du Coran ne se limitent pas aux faits scientifiques. Des versets du Coran contiennent également des miracles concernant des sujets historiques. Un grand nombre de tribus, de cités, de rois et de guerres sont décrits dans notre livre saint. De plus, des recherches et des découvertes archéologiques ont confirmé ces informations qui ont été révélées 1400 ans auparavant. Il n'y a absolument aucun doute possible que le Coran soit une révélation et un miracle de Dieu. On trouve dans le Coran une étonnante prédiction dans les premiers versets de la sourate Ar-Rum qui se réfère à l'Empire byzantin, partie orientale de l'Empire romain. Il y est dit que l'Empire byzantin, qui avait connu une grande défaite, aurait bientôt la victoire. Alif, Lam, Mim, les Byzantins ont été vaincus dans la contrée voisine et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. La décision finale, aussi bien avant qu'après, appartient à Dieu qui accorde la victoire à qui il veut. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ces versets furent révélés vers l'an 620 de l'ère chrétienne, près de 7 ans après la défaite cinglante infligée par les Perses aux chrétiens de Byzance en 613-614. En fait, Byzance avait alors subi de telles pertes qu'il semblait impossible qu'elle puisse même continuer à exister, et encore moins de connaître de nouveau la victoire. Après avoir défait les Byzantins à Antioche en 613, les Perses prirent le contrôle de Damas, de la Cilicie, de Tarse, de l'Arménie et de Jérusalem. La perte de Jérusalem en 614 était particulièrement traumatisante pour les Byzantins, car l'église du Saint-Sépulcre fut détruite et les Perses s'emparèrent de la vraie croix, symbole de la chrétienté. En plus des Perses, les Avars, les Slaves et les Lombards constituaient également de graves menaces pour l'Empire byzantin. Les Avars étaient arrivés jusqu'au mur de Constantinople. L'empereur byzantin, Héraclius, avait ordonné de faire fondre l'or et l'argent des églises et d'en faire des pièces de monnaie afin de faire face aux dépenses de l'armée. De nombreux gouverneurs s'étaient révoltés contre l'empereur Héraclius et Byzance était au bord de l'effondrement. La Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie, qui avaient auparavant appartenu à Byzance, avaient été envahies par les Perses idolâtres. En bref, tout le monde s'attendait à ce que l'Empire byzantin soit anéanti. C'est à ce moment-là que les premiers versets de la sourate Ar-Rum ont été révélés, annonçant que Byzance triompherait à nouveau dans quelques années. Le mot arabe bidi veut dire un nombre de 3 à 9 moins de 10. Cette victoire semblait tellement impossible que les polythéistes arabes pensaient que la victoire annoncée dans le Coran n'aurait jamais lieu. Cependant, comme toutes les autres prédictions du Coran, celle-ci se réalisa. En 622, l'empereur Héraclius gagna un certain nombre de victoires sur les Perses et reconquit l'Arménie. En décembre 627 de l'ère chrétienne, une bataille décisive eut lieu entre Byzance et l'Empire perse à Ninive,
à 50 km à l'est du Tigre, près de Bagdad. Cette fois encore, l'armée byzantine vainquit les Perses. Quelques mois plus tard, ces derniers durent conclure un accord de paix avec Byzance et furent obligés de rendre les territoires qu'ils avaient pris à l'Empire byzantin. La victoire de Byzance fut totale lorsque l'empereur Héraclius vainquit le dirigeant perse Chosroès II en 630, qu'il reconquit Jérusalem et récupéra la vraie croix pour l'église du Saint-Sépulcre. En fin de compte, la victoire des Byzantins annoncée par Dieu dans le Coran s'était miraculeusement réalisée dans la période de temps affirmée par le Coran, c'est-à-dire une durée allant de 3 à 9 ans. Il est un autre miracle révélé dans ces versets. Il s'agit de l'annonce d'une réalité géographique qui ne pouvait être connue de personne à cette époque, que les Byzantins ont été vaincus dans la région la plus basse de la terre. Cette expression, « Anna al-Ard » en arabe, a été dans la plupart des traductions comme signifiant le pays voisin. Cependant, ce n'est pas le sens littéral de l'expression, mais plutôt une interprétation au sens figuré. Le mot « Anna » en arabe est dérivé du mot « Dani » qui signifie « bas » et « Ard » signifie la terre. Donc, l'expression « Anna al-Ard » signifie l'endroit le plus bas de la terre. Bassin de la mer Morte, l'une des régions où les Byzantins furent vaincus en 613-614, est la plus basse région de la terre. Le coup le plus terrible porté à l'Empire chrétien de Byzance dans cette défaite a été la perte de la vraie croix, celle de Jérusalem, située près des rives de la mer Morte. La mer Morte, située à 417 mètres sous le niveau de la mer, est le point le plus bas du globe. L'élément le plus intéressant est que l'altitude basse de la mer Morte n'a pu être mesurée que grâce aux techniques modernes. Auparavant, il était impossible à quiconque de savoir que c'était la région la plus basse du globe. Pourtant, le Coran l'affirme. C'est encore une preuve que le Coran est une révélation divine. Le dirigeant égyptien connu sous le nom de Pharaon et sa cour étaient extrêmement dévoués à leur système polythéiste et à leurs croyances idolâtres. En réalité, selon leurs croyances perverties, Pharaon était en fait lui-même une divinité. À cette époque, Dieu envoya le prophète Moïse comme son messager au peuple d'Égypte.